la nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Et aujourd'hui, là je dois tuer un gros gibier et je dois gagner de l'argent avec mon business de commerçant. Donc voilà, on va faire un peu notre business, notre travail. Et du coup, pour la dernière vidéo, j'ai pas fait grand chose. J'ai passé un peu tout mon temps à pêcher. Là, je vais essayer de faire un peu autre chose, quoi. Pour combler la vidéo. La vidéo durera environ 15 minutes. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Parce que là, ça va pas être plus long, je sais, fin de vidéo, 15 minutes. En fait, c'est un peu comme une série, là, ce que je fais. Le cobaye, là, c'est un peu une série. Non, on va pas aller là, en vrai. Non, en vrai, j'ai rien, j'ai le poisson, non, ça se donne pas, là, moi. Oh tiens, voilà, en plus c'est là que je voulais aller. Hop. Bon, on va aller chez le boucher. Chez le boucher. Oh non, il y a un joueur. J'espère pas qu'il est chiant. Un chiant un peu agressif. Parce que le joueur agressif c'est un peu casse-pied au moment. Hop là. Can I help you? John. Been a lot of that lately, but they always move. Let's do it. Okay. John. I'll take it, but I've already got too many. Là on va aller au camp. Parce que j'ai bien avec Red Dead, en vrai là j'y vois plus trop parce que je commence un peu à avoir marre de Red Dead. Là moi je pense que je vais me relancer dedans. Un peu lourd quoi. Bon là faut que je fasse cuire de la viande de gros gibier. Tiens, qui voilà. Cuisinier, c'est carré. Quoi, cuisinier? En fait, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions. Monter tout, cuisinier. Voilà, on mange. Et hop. Allez voir ce qu'on a en cargaison. Oh non, ça crée pas que de trucs en vrai. En vrai, il y a quand même des trucs. Il y a de la marchandise. Pour les livraisons. Bon, ça augmente le prix. Hop, comment c'est une grosse livraison. Now, first off, if you stumbled across that latrine situation out back, my sincere apologies. You know, you leave soup out in the sun, you pay the price. Talking of which, I found us a buyer. Now, it'll be a long ride, but they're offering good money. So just keep your eyes out for bandits. Donc, c'est parti pour livrer.
crois peut-être que la vidéo durera plus de 15 minutes. Si vous trouvez que j'ai l'air fatigué, c'est normal. Je tourne cette vidéo, il est presque minuit. Voilà. Ça, ne vous inquiétez pas. Là, on est vendredi, donc ça va. C'est un mec, mais il n'y a rien dans l'armoire. Ah, c'est vraiment violent dans le jeu. Il n'y a pas ce qu'elle a arrêté, quoi. En fait, le cheval, il était poussé à bout à l'époque. Et il tapait pour qu'il... qu'il aille le plus vite possible et je sais pas, bah, je les mourrais d'épuisement s'ils étaient fatigués, ils ont fait quoi. Ouais. Hop là! On doit livrer à Saint-Denis. Ah non, je me demandais où c'était Saint-Denis, ça fait loin! Ça fait loin Saint-Denis! C'est ça, mais c'est plus loin. C'est pas de la trotte. Ah. Je crois que la livraison va bien se passer. En vrai, je pense que j'ai pas mal de vidéos. Ouais, on s'approche de Saint-Denis.
En fait, en ligne, c'est un peu la meilleure ville du jeu pour faire un peu comprendre l'importance de Saint-Denis dans le jeu. C'est comme, je prends l'exemple de Fortnite. Dans Fortnite, un peu la ville emblématique du jeu, c'est Thèbes. Parce que là, en fait, Saint-Denis, c'est pas trop la ville emblématique, mais c'est un peu limite la capitale quoi du jeu. La ville numéro 1, c'est pas la, quand tu penses au jeu, tu penses pas direct à Saint-Denis, mais en fait Saint-Denis c'est un peu Red Dead, c'est la ville principale de Red Dead, la plus grosse quoi, la plus grosse ville voilà, c'est Saint-Denis. Après la ville vraiment la plus connue c'est Valentine. Oh lui j'ai pris une dalle. Je suis pas loin de Saint-Denis. Saint-Denis, voilà, c'est la ville là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Mais au loin, vous voyez une petite ville, une grande ville. Déjà de. C'est Saint-Denis. Ici. Vous allez me dire, c'était loin quand même. De Blackwater, parce que c'est mort. Ouais, je pense à Red Dead. Je pense principalement à Blackwater Valentine. C'est vraiment des villes qui ont marqué quand je vois le jeu. Pour ceux qui ne savent pas, Saint-Denis en fait c'est dans un marécage. Et le problème dans les marécages c'est qu'il y a des crocodiles. Donc il y a beaucoup de crocodiles à Saint-Denis. Tout autour de Saint-Denis. Ouais, c'est ce qui me joue à pas Saint-Denis, c'est que. Là il y a des crocodiles partout. Donc c'est bon, on est bientôt à Saint-Denis. Et en vrai, je pense que
quand je serai à Saint-Denis, plutôt quand je vais arriver à Saint-Denis, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Parce que je vois pas ce que je pourrais. C'est pas que je vois pas en fait. C'est que. Hop, on sert sur place. Allez, fais acheter ma marchandise. Le problème, c'est que là, c'est les marais, donc je peux pas couper. Bon, je sais que je parle pas beaucoup, mais moi, je sais pas quoi dire, je suis un peu fatiguée. Donc je préfère pas parler pour pas... Pour pas... n'importe quoi, quoi. Là, c'est bon, on a chassé un demi. C'est bon, on est à Saint-Denis. En vrai, à part que c'est dans les marais. Si ça aurait été pas dans les marais, ça aurait été une belle ville. En fait, le problème, c'est que c'est dans les marais, quoi. Donc c'est plutôt casse-pied pour revenir. Sinon, c'est une belle ville, quoi. En fait, le problème, c'est que quand t'arrives dans la ville, t'as plus l'impression d'être dans les marais. T'as l'impression d'avoir changé de biome. Parce que moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a un biome un peu de marais. Comme je vous ai dit, un biome marais. Pareil de désert, quoi. Et là, en fait, il y en a un autre, c'est un peu normal, nature, et il y en a un autre. Après, il y a aussi un biome neige. Voilà quoi, il y a plein de biomes. Je vous dis à la prochaine en vrai pour une prochaine vidéo sur ce beau petit jeu en vrai qui est pas dégueu hein. Voilà quoi. Et moi je vous dis à la prochaine.